Alors, un autre truc à savoir par rapport au shadowing, donc on va reprendre un autre exemple, c'est que ce qui peut se passer et ce qui est plutôt cool, c'est que là on peut dire que ça c'est une chaîne de caractères. On l'a définie comme étant une chaîne de caractères vide, comme vous pouvez le voir. Et le truc, donc variable immutable, immutable variable. Et le truc, c'est qu'étant donné qu'on peut en créer une autre qui a le même nom que celle-ci, on peut faire en sorte que cette autre soit d'un autre type. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser space et on peut utiliser par exemple line. Et c'est parti. Donc ça va être. On va donc déjà montrer quelle est la valeur ici. Print ln. Hop, voilà. Ln de space. On va voir ce que ça donne. Et donc en fait, même. Je vais même mettre ça en placeholder. Voilà, on aura première first variable spaces with a value of up. Et là, on va utiliser, oh là, contrôle C, contrôle V, on va utiliser second variable spaces with a value of, et là vous allez voir ce que ça va faire. C'est parti, donc hop 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 hop, cargo run. Et donc la première chaîne de caractères vide, la seconde valeur 1. Donc voilà, c'était plutôt un moment intéressant pour vous. Comme ça en fait, ça vous permet de réaliser que en réalité il y a un élément dans cette chaîne, mais c'est un espace vide. En fait, c'est un espace. Si j'avais mis ça comme ça, je pense que ce serait peut-être deux. Et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, en fait, j'ai juste pas enregistré. Donc là, ça fait 7, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais vous préciser sur le shadowing. Donc alors, il faut retenir pas mal de petites choses. On aurait même pu se faire un memento. D'ailleurs, je vais en faire un. Non, je vais le mettre à l'extérieur. Mémo. Là, on a vu donc le mute. On a vu le shadowing. On a vu les constantes. Et donc voilà, pour l'instant, on en est à là, on va dire. Ensuite, on va vite ajouter de nouvelles notions.